Alors en fait, comme un certain nombre de chercheurs en France, je suis enseignant-chercheur. Donc ça veut dire que déjà, il y a presque la moitié de mon temps qui consiste à enseigner. Donc soit aux étudiants d'université, soit en ce moment, je suis détachée à l'école normale, donc aux élèves de l'école normale supérieure à Paris. Et puis ben, l'autre moitié de mon temps donc, est dédiée à la recherche. Et alors la recherche prend diverses formes. Il y a une partie, je dirais, de veille scientifique, hein. Donc de se tenir au courant de ce qui se fait, de lire pas mal, d'assister à des séminaires, d'échanger avec d'autres gens sur les méthodes, les résultats récents. Et puis il y a une partie après qui est vraiment la partie, je pense, qui est le cœur de la recherche, qui est une partie de création qui est assez difficile à décrire et puis qui dépend beaucoup, je pense, qui varie beaucoup d'une personne à l'autre. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire en collaboration avec d'autres personnes. Ça permet de rebondir sur les idées des uns et des autres. Il y a beaucoup de temps qu'on passe devant une feuille blanche à réfléchir ou devant un tableau noir à réfléchir, éventuellement avec d'autres. Mais c'est une étape qui est difficile à décrire. C'est un peu comme si on demandait à un artiste comment ça se passe au moment où il va écrire une partition ou il va peindre un tableau. Puis après, il y a toute une partie qui est la diffusion, mais la diffusion, ça commence déjà dès qu'on commence à écrire. Donc ça permet aussi de se mettre les idées bien au clair, d'écrire des choses parfaitement rigoureuses. Donc voilà, soit une diffusion écrite, puis une diffusion orale aussi, auprès des spécialistes, et puis après, peut-être aussi auprès d'un public un peu plus grand, même s'il faut quand même être conscient qu'aujourd'hui, la science est très pointue et que c'est difficile de la rendre accessible complètement. Un public moins averti. Le but de ce qu'on fait, c'est d'obtenir, à partir d'un modèle très compliqué, un modèle plus simple, en essayant, je dirais, qualitativement de comprendre les phénomènes et comment on peut les réduire, avoir moins de paramètres, moins de descriptions moins fines. Et ça, c'est vraiment important parce que même si aujourd'hui la puissance des ordinateurs est très grande, les modèles sur ce genre de physique où il y a beaucoup d'échelles, beaucoup que ce soit en temps ou en espace. Donc ça, on ne peut absolument pas avoir une prévision fiable si on n'a pas des modèles un peu plus simplifiés. On ne peut pas retenir toute la complexité, c'est trop compliqué. Et puis après, je travaille sur des questions aussi plus, je dirais, plus fondamentales, enfin moins. Non pas que le premier thème soit vraiment très appliqué dans la façon dont j'envisage, mais des choses qui sont encore plus fondamentales, qui sont liées effectivement aussi à des aspects de modélisation, d'axiomatisation de la physique. Donc essayer de comprendre, on a plusieurs niveaux pour modéliser par exemple un gaz, comme le gaz qui est dans cette pièce. Soit on regarde à l'échelle des atomes, et puis on regarde le mouvement de chacun des atomes, mais ça c'est un modèle qui est très complexe. Soit alors on considère ça comme un fluide, et donc un milieu continu, donc c'est des modèles qui sont a priori plus simples. Et la question c'est est-ce que ces deux modèles se parlent? Est-ce qu'il y a des régimes où les deux modèles sont pertinents? Est-ce qu'il y a des régimes où l'un ne l'est pas? Voilà. Donc plus sur des questions d'axiomatisation, essayer de comprendre ça totalement rigoureusement avec des maths. Pour moi, la physique est une source d'intuition très importante. C'est-à-dire que ce que je vais écrire, c'est des théorèmes, des inégalités, enfin, quelque chose qui ressemble à, qui s'écrit avec le langage des mathématiques. Alors, mais quand même, derrière, il y a des problèmes de physique. Et pour moi, l'intuition vient vraiment de cette physique. Donc ça m'arrive de discuter avec des physiciens. Mais après, mes collaborations, c'est-à-dire quand on a vraiment ce travail d'écrire quelque chose, de démontrer quelque chose, c'est avec des mathématiciens. Voilà, c'est pas avec n'importe quel mathématicien, d'abord parce que le champ des mathématiques est très large et que notre champ d'expertise est lui très étroit. Et puis ensuite, parce qu'on n'a pas forcément toujours la même, même avec des gens qui travaillent sur des maths assez proches, on n'a pas forcément la même façon de travailler, d'approcher les sujets. Donc il y a des gens avec qui ça fonctionne et puis d'autres avec qui ça fonctionne moins bien. En tout cas, avec ce qu'on fait, on n'a pas d'approche quantitative des choses. Donc, on dérive un modèle plus simple. Et puis après, la chaîne est très longue avant d'arriver aux applications. Il y a des gens qui s'occupent des simulations numériques.
Il y a des gens qui, puis après, qui conçoivent les engins, et puis après, qui remettent aussi tous les morceaux du puzzle, parce qu'il y a cette première phase d'accélération, mais après, il y a aussi la phase de focalisation, puis toute la partie fusion, ça, je connais pas du tout, donc qui est de la physique très différente, en fait. Il y a même au niveau de la physique des modèles, il y a vraiment tout un tas de physiques différentes selon l'étape dans le processus de fusion. Donc je ne dirais pas que ce que je fais est appliqué, c'est applicable, c'est-à-dire que c'est inspiré et ça parle avec des problèmes plus appliqués. Mais moi, ce que je fais vraiment, je démontre des théorèmes et on est quand même loin de l'application. De fait, il y a une école mathématique française qui est assez vigoureuse, que les mathématiciens en France, en tout cas, ont le souci vraiment de cette transmission. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est important. Et qu'il me semble que dans le système français, le fait de faire confiance à des gens qui sont jeunes, de leur donner un poste assez rapidement, de leur laisser une grande liberté dans leur choix de thématique de recherche, dans leur façon de travailler, je pense que ça favorise une certaine dynamique. Et puis, c'est récompensé effectivement par la médaille Fields, parce que la médaille Fields, il y a cet âge limite qui fait que c'est aussi un peu la course contre la montre. Donc, dans un pays où les gens sont formés très tôt, bah, forcément, ils ont plus de chance. Quoi. Après, c'est aussi un cercle vicieux, c'est-à-dire plus il y a de récompenses à donner à des Français, plus il y a de Français dans des comités qui décernent les prochaines récompenses. Donc, voilà, je crois qu'il faut aussi remettre les choses à leur place. Je sais pas ce qu'il y a comme outil, je dirais, pour mesurer de façon objective le rayonnement de l'école mathématique française. Mais par exemple, on voit qu'il y a énormément de Français en poste à l'étranger dans des universités un peu partout. Donc je pense que ça veut dire quand même quelque chose. Ça veut dire que la qualité de ce qui est fait est reconnue de façon internationale. Voilà, je ne suis pas sûre juste que les classements, que ce soit des classements type Shanghai ou qu'on regarde les prix ou quand on regarde soit quelque chose qui soit totalement... je ne sais pas à quel point il faut faire confiance à ce genre d'indicateurs. La mode, quand moi j'étais élève au lycée, pour les bons élèves, c'était d'aller vers des prépas scientifiques. Je pense que ça a un peu tourné, notamment les prépas commerciales occupent beaucoup plus de place, peut-être la médecine aussi, je ne sais pas. Donc en tout cas, voilà, en tout cas, il y a un défaut d'orientation vers les sciences. Et je trouve ça très dommage, d'abord parce que c'est un très, très beau métier. Je pense que... Alors moi, je trouve que c'est un métier qui est passionnant, on a une liberté que probablement on a nulle part ailleurs. Et puis, bah, je pense que juste, il y a besoin de scientifiques aussi pour garder un niveau scientifique et technologique qui nous permette d'exister juste au niveau international. Après, sur les conditions de la recherche, je ne dirais pas que les conditions s'améliorent quand même. Je pense que sur le financement, notamment sur le fait que de financer de moins en moins de façon récurrente, mais juste d'arroser des gros projets, il ne me semble pas que ça favorise cette espèce de terreau qui fait que de temps en temps, il y a des nouvelles idées qui émergent. Je ne pense pas qu'on peut décider à l'avance où les nouveaux résultats et où les résultats intéressants vont être. Donc décider de financer sur appel à projet ne me semble pas quelque chose de raisonnable pour financer la recherche fondamentale. Donc, et aujourd'hui, que ce soit au niveau européen ou au niveau français, c'est quand même de plus en plus comme ça que ça se passe. Voilà, et puis l'État se désengage clairement au niveau des postes aussi, hein, avec l'autonomie des universités. Maintenant, on dit que c'est les universités qui se désengagent, mais enfin, c'est quand même l'État qui s'est désengagé en finançant moins les universités. Je ne sais pas si c'est un problème ou pas de décider que le pourcentage n'est pas 50%, 50%. Je ne sais pas si c'est un problème. Mais à supposer que ce soit un problème, pour moi, il ne vient pas du tout du milieu scientifique, en tout cas, clairement pas en maths. Peut-être qu'il y a des milieux qui sont plus sexistes, mais sans que la communauté mathématique ne l'ait pas. Je fais partie quand même de beaucoup de comités de recrutement et jamais j'ai entendu des propos de discriminatoire. Ce que je sais juste, c'est qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises et qui me semblent complètement contre-productives. Par exemple, le fait de dire que maintenant, dans tous les jurys, ou dans tous les jurys de recrutement, maintenant aussi dans les comités éditoriaux de revues, il faudrait qu'il y ait la parité. Mais ça, c'est une mesure qui est très injuste, en fait, envers les femmes, parce qu'on est en masse, je pense qu'on est entre 1/10 ou 1/20, peut-être, au niveau des profs. Nous demander de faire la moitié du travail, c'est juste nous empêcher de faire des maths pour de vrai, quoi.